Oh les mecs, vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. On est le 28 novembre. C'est un truc de taré. Mais je rentre à peine du boulot. En fait, ce qui s'est passé, dans ma voiture, à la poste, j'écoute Fun Radio. Et vous savez que Fun Radio fait des petits jeux comme le double fun, le jeu des 30 secondes, 1000€ cash, enfin voilà, des trucs comme ça. Et en gros, tout à l'heure, j'étais comme ça, sur ma tournée de facteur, d'où le... Bah, je viens de rentrer de la poste d'ailleurs. Puis j'entends le double fun. D'habitude, j'entends jamais le double fun parce que je suis tout le temps dans une montée d'immeubles. Et là, je me dis, bah tiens, qui ne tente rien à rien, je vais appeler. T'as, de toute façon, bon, là, le truc, c'est que j'appelle et il y a quelqu'un qui me répond. Bon, demande mon nom, quel âge j'ai et d'où je viens. Donc je dis Rémi, Annecy, j'ai 20 ans, ok, pas de problème. Il me dit, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que si t'es sélectionné, on te rappelle et puis tu passeras à l'antenne. Je fais, oh ok, pas de problème et tout. Et vu que je bouge tout le temps avec la poste, je me suis dit, mon portable dans la poche, j'entendrai jamais s'il vibre. Alors j'ai gardé dans la main, tu vois, je distribuais mon courrier comme ça, j'ai gardé mon téléphone, c'était génial. Et là, pas plus de 30 secondes plus tard, le mec me rappelle, je fais, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est un truc de fou ce qui se passe là. Dans ma tête, il y avait une explosion, mon pote. Et là, le mec me dit, hey, excuse-moi de te faire une fausse joie, en fait, j'ai oublié de te demander ton nom de famille. Oui, ça fout les boules, ouais. Donc moi, encore avec un petit peu d'espoir, je lui dis, oh ouais, putain, c'est con, j'étais prêt à tout péter là-bas dedans, hein. Donc on raccroche, je continue ma tournée avec la poste et tout, et je garde mon téléphone dans la main si jamais je me dis, j'ai un peu de chance, il me rappelle, tu vois ce que je veux dire. Et là, mon gars, devine-le ou pas. Il a sonné. J'écroche, ouais, allô ? Oui, c'est Fun Radio ! Et du coup, le mec m'a dit, oui, c'est Fun Radio, tu as été sélectionné pour participer à la finale ! Donc en gros, dans ma tête, j'ai cru comprendre à ce moment-là qu'il y avait plusieurs personnes encore en compétition avec moi et que je serais sélectionné parmi ces personnes, si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, j'étais avec mon courrier devant un hall d'immeuble et j'ai... Putain, j'ai chaud par contre, là. Oh, j'ai super chaud. Attends deux secondes. Putain, je suis encore habillé comme un facteur, c'est pas possible, ça. Voilà. Moi, j'étais devant un immeuble avec mon courrier dans les mains et je me dis, j'ai pas envie de perdre la connexion, c'est déjà ouf ce qui se passe. Je vais rester dehors. Et donc le standardiste, super sympa d'ailleurs, je te fais une dédicace Alexis si tu m'écoutes. Et le standardiste me dit, Rémi, si tu veux gagner le cadeau de tout à l'heure, il faut avoir la patate. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce que c'était le cadeau, le meilleur pour la fin. Et donc le mec m'a fait des situations comme si je passais à la radio, il m'a dit, bon, on passe du côté d'Annecy, bonjour Rémi. Tu m'aurais vu tout seul là-bas dans ma ville à faire mon courrier, là, j'étais comme ça, tout seul devant mon immeuble. Bonjour Mika, bonjour Fédéric, comment ça va? Et le mec m'a gardé comme ça 10 minutes au téléphone pour savoir, bah, mon métier, qui c'est que j'allais emmener si jamais je gagnais le double fun. Il m'a chauffé comme ça en me faisant croire que je passais à la radio. Enfin, c'était génial. Et puis tout d'un coup, le mec, il me dit, bon bah Rémi, c'est tout bon, tu passes dans 2 minutes sur Fun Radio. Je vous rappelle que moi dans ma tête, j'étais encore, je me disais, j'étais en compétition avec d'autres mecs. Hein. Là, il me dit, je passe dans 2 minutes. Là, je te jure, mon cerveau, il a bugué. Plus de 20 secondes plus tard, je rentends la voix du mec, il me fait, bon en fait, je me suis gouré, c'est dans 30 secondes que tu passes. Alors imagine un peu le dawa que c'était dans mon cerveau. Et là, ce qui est super rigolo, c'est qu'en fait, dans le téléphone, tu entends ce que tu entendrais à la radio. Et ça, c'est super cool. Du coup, j'entends le mec de la radio qui me dit « Bonjour Rémi !» Moi, je passe à la radio, ça veut dire que j'ai quasiment gagné, mais qu'est-ce qu'il faut que je réponde à ça? Je savais plus, moi! Bon, j'ai fait de mon mieux. Hein. J'ai une petite surprise, d'ailleurs, à la fin de la vidéo pour vous. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Et au final, j'ai gagné le double fun sur Fun Radio le 28 novembre 2017. Et je suis putain de content! Wouah! Wouah! Bref, je suis content. J'ai même réussi à caler une petite promo pour ma chaîne YouTube pendant que j'étais à l'antenne. Et ça, c'est juste magique. Bon, les gars, c'est pas le tout. Je vous ai dit que j'avais gagné, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Transport, hébergement et place pour aller voir DJ Snake à Paris le 24 février, mon pote! Mais mec, j'ai jamais eu autant de chance que ça. Bon, certes, quand j'étais petit, j'ai gagné 8 fois de suite la tombola de ma cousine pour l'école avec une bûche de Noël à gagner. Bon, enfin voilà, mais ça c'est pas... Mais un cadeau comme ça? Mais moi, je... Mais je suis super content! Merci! Donc je suis passé à l'antenne, c'était super cool. Et le standardiste me reprend derrière. Et je lui dis, bon, tu vois, j'ai tout pété comme tu m'as dit et tout. Il me fait, ah ouais, c'était super cool, t'as mis feu là-bas dedans. Mais par contre, t'aurais pu me dire que t'avais une chaîne YouTube. Du coup, pour avoir la fin de l'histoire, on se retrouvera fin février parce que je ferai un petit vlog de ma montée à Paris. Je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup Fun Radio de m'offrir ce cadeau. Ça me fait super plaisir, c'est oufissime. Merci à Mika, merci à Alexis le standardiste et merci à toute l'équipe. Vous êtes juste géniaux, quoi. Vous savez pas comment c'est un rêve de voir DJ Snake. Enfin, c'est ouf. Et du coup, vu qu'il n'y a pas que moi qui peux avoir des cadeaux, je vous ai fait un petit cadeau, les amis. Fun Radio m'a envoyé mon passage à l'antenne. Et c'est ce que nous allons écouter tout de suite. Mais avant ça... Like, partage, laisse un commentaire et abonne-toi, c'est le plus important, ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mr. Darwin, la bise, merci Fun Radio!
Axwell Ingrosso plus French Montana, voilà ce qui arrive sur Fun Radio. Juste avant, j'ai un truc à régler. Oh là là, c'est important ça. Fun Radio. Fun Radio vous invite au concert de DJ Snake. C'est le double fun. Bonjour Annecy, salut Rémi. Salut Mika, salut Fun Radio, comment ça va? Oh là là, tu m'as l'air chaud, tu m'as l'air bouillant pour aller voir DJ Snake. Ah là, le mec avant, il m'a brisé, il m'a dit faut que t'aies la patate. Ah là, je suis chaud. Qu'est-ce que tu viens? Tu sais quoi, on va même pas faire durer le suspense, rien du tout. Qu'est-ce que tu viens d'entendre sur Fun Radio? Je t'écoute. Alors, deux morceaux de DJ Snake à la suite, le double fun, Mika. Rémi, le 24 février prochain, tu seras à l'Accord Hôtel Arena de Paris, bravo. Oh putain. Ah ça c'est énorme. Oh putain c'est énorme. Ah non c'est ouf. Eh ben ouais c'est vrai, c'est bien réel tout ça. Oh c'est ouf. Eh non sérieusement c'est un truc pareil, j'arrive pas à réaliser. Ça, les c'est un invitations. Bon cadeau de Noël. Eh ben écoute, ça me fait bien plaisir. Les invitations, l'hôtel, le transport, tout ça, c'est pour toi, c'est cadeau Rémi. Oh putain, merci beaucoup Fun Radio, c'est un truc de taré, un truc de taré. Je me suis levé ce matin, j'allais aller au taf et je suis fait partie. Et ben voilà. Mais t'inquiète pas, tu vas quand même bosser, hein. T'en vas pas. Ah bah là, j'y retourne, je suis facteur, là, je vais aller dans l'immeuble, là, j'ai distribué mon courrier, et puis hop, on y retourne. Hein. Tu vas emmener qui? Parce que évidemment, tout ça, c'est pour deux. Ah, c'est génial. Bah t'emmènes qui du coup, dis-moi. Je vais ma copine sûrement, ouais. Bah tu sais, nous, on adore faire la fête, donc ouais, ça va sûrement être ma copine. Bon bah ça me fait bien plaisir. Rémi, bon concert, on se voit le 24 février à l'Accord Hôtel Arena de Paris. Et bah grave, je vous enverrai des photos et peut-être une petite vidéo parce que je fais des vidéos sur YouTube, donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo. Ah c'est quoi ta chaîne? Tu fais des vidéos de quoi? Bah dis-nous. Ah merde. Du coup je fais des petites vidéos, podcast, tout ce qui me passe par la tête, enfin, c'est assez rigolo, c'est Mister Darwin. Darwin. Voilà, donc, j'ai passé ma petite pub comme ça. Bah t'as bien fait et je compte sur toi pour filmer tout ça, on va se voir là-bas. Alors. Ah bah là c'est parti, je vais faire un vlog, là c'est fini. Oh là ah, là, mais sérieusement j'y crois vraiment pas. Rémi, tiens, ah, juste avant que tu partes, Axwell Ingrosso dans quelques secondes, il y a French Montana là qui est parti sous ma voix sur Fun Radio. J'ai envie de t'entendre. Dis-moi quelle est ta radio préférée. Fun Radio.